Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour une hypnose qui m'a été suggérée ce matin et comme l'approche m'a semblé assez claire, assez évidente, j'ai décidé d'enregistrer. Je remercie l'abonné qui m'a fait cette suggestion et je me propose aujourd'hui de t'aider à te libérer de la constipation. Bien évidemment, en cas de constipation importante, douloureuse, récurrente, ton premier interlocuteur reste ton médecin qui t'orientera éventuellement vers un spécialiste si nécessaire. Contre la constipation, on recommande en général de boire beaucoup d'eau, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, d'utiliser des laxatifs naturels le matin à jeun, comme un jus d'agrumes. On conseille une alimentation qui est riche en fibres, en tout cas plus riche qu'à l'heure actuelle. On conseille aussi des pruneaux, boire du jus de pruneaux et autres prunes. On recommande de faire de l'activité physique pour raffermir la ceinture abdominale. Bien sûr, tout ça est efficace. On conseille de faire des massages du ventre et de prendre son temps quand on va aux toilettes et de ne pas se retenir quand on en a envie. Je rajouterai un petit conseil personnel qui est de surélever ses jambes avec un petit tabouret lorsqu'on va aux toilettes pour une position un peu plus physiologique. Tout cela est très juste, mais il arrive aussi que les causes de la constipation soient psychologiques, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait du stress, qu'il y ait des crispations, de l'appréhension, et que toutes ces recommandations ne suffisent pas. Il peut y avoir des retenues inconscientes, des mauvais souvenirs, des choses enfouies. Et c'est surtout ces leviers que je te propose de travailler aujourd'hui afin de te libérer de tous ces freins pour que cette partie de ta vie soit enfin fluide. Enfin, relax. Si cet audio te soulage efficacement, pense à le rétribuer avec un pouce, un commentaire, un partage et même un tip sur Tipeee. Ainsi, tu récompenseras un résultat. Allons-y maintenant. À présent, je t'invite à t'installer confortablement. Allongé ou assis, surtout bien calé. Je sais que cela prend un peu de temps. Prends ce temps pour toi. Nous sommes là pour ça, pour que tu prennes ce temps-là pour toi, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, te soulager. Installe-toi bien, les jambes décroisées, dans un environnement tranquille, tranquille, tranquille. Le téléphone en silencieux, détendu, 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 relaxé, relaxé, relaxé. Il est important de bien comprendre que selon la réceptivité des gens, ce moment peut avoir un effet très puissant pour te soulager, pour te libérer de la constipation. Entends bien. C'est pour cela qu'il est important d'être bien calé. Bien calé. Afin de pouvoir te décontracter complètement, profondément. Profondément. En toute sécurité. Parfaitement. Bien à l'aise. Prends ton temps. Rassure-toi, tu pourras interrompre cet audio pour aller aux toilettes. Il suffira de la mettre en pause, puis de revenir après. Il est important de la finir car nous allons travailler ensemble, à court terme, mais aussi à long terme, pour te libérer pour de bon. À présent, je te demande de fixer un point devant toi,
quelque chose sur un mur ou une vitre, par exemple. N'importe quoi. Fixe quelque chose. Un point légèrement au-dessus du niveau des yeux et observe cette chose que tu as choisie en détail. En détail. En détail. Ton regard posé sur ce point et l'écoute fixée sur ma voix, le son de ma voix, le sens de mes propos, tandis que tu sens que la constipation commence déjà à passer, passer, passer. Et que ton ventre se relaxe un peu déjà. C'est parfait. En observant ce point avec le regard, tu peux aussi poser ton attention sur ta respiration qui fait comme des vagues calmes. De haut en bas et de bas en haut, en respirant avec le ventre. De haut en bas, tandis que la poitrine monte et descend doucement. Doucement. Descend doucement. Paisiblement, sereinement. Comme des vagues qui passent sur toi avec régularité. Déjà, si tu fatigues, tu peux fermer les yeux. Ferme les yeux. N'entre pas en transe tout de suite. Tu peux compter chaque expiration jusqu'à 5. 1. Deux. Et entre-temps, tes yeux fatigués, fermés, tu peux plonger et descendre en toi-même dans ton confort intérieur. 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 Tu peux plonger dès que tu te sens prête, prêt à te détendre et descendre en transe. Profondément, tandis que le ventre et l'intérieur de ton corps se détend déjà. Déjà. Les intestins, tout le chemin qui s'ouvre, qui se détend. En toute confiance et en toute sécurité. Afin de te libérer. Libérer. Et d'être chaque jour un peu plus capable de te soulager de manière autonome, régulière, un peu plus relaxée, sécurisée, sécurisée, avec moi en toute confiance. Pour cela, nous utiliserons ensuite un ancrage pour fixer ce bénéfice, ainsi qu'une visualisation, et tu pourras utiliser la main de ton choix pour effectuer cet ancrage. Dans la suite de cet audio, je vais te parler de libération de la constipation. À court et long terme, et tu vas entrer en transe un peu plus progressivement, profondément. Progressivement, profondément. Tout en douceur et sans te rendre vraiment compte, tu te sentiras de mieux en mieux, de plus en plus calme et sereine, serein. Sereine, serein. Sereine, serein. Relaxé, relaxé. Le ventre détendu profondément, les intestins et tout le chemin qui se libère, se détend. Si
si des manifestations se font dans ton corps, comme des bruits, des petits mouvements, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Les choses circulent, laisse faire. Tout est parfaitement sécurisé. Et si tu en ressens le besoin, tu peux mettre cette vidéo en pause n'importe quand pour aller aux toilettes, bien sûr. À la fin de l'audio, je compterai de 5 à 1. Je claquerai les doigts et tu te réveilleras de transe, tranquillement, progressivement et sans aucun effort. Parfaitement détendu, un peu plus libéré déjà. Profondément détendu, calme et serein, sereine. Prête, prêt à reprendre le cours normal de ta journée ou de ta soirée. En forme, positive, positif, revigoré comme après une petite sieste par exemple. Tu peux à présent te concentrer de nouveau sur ma voix et la laisser prendre toute sa place à l'intérieur de toi. La laisser résonner en toi profondément, profondément. Tandis que tu te relaxes et que tu te laisses descendre, descendre, descendre. Avec douceur et sérénité, confiance. Tout en douceur, descendre paisiblement. Je te demanderai de jouer le jeu, de faire comme si, comme font les enfants, avec ton imagination, tes pensées, pour bien arpenter le chemin, tandis que je continue à te guider profondément vers la libération de la constipation à court terme et à long terme. Peu importe comment, peu importe pourquoi, tu seras libéré, libéré, libéré. Un peu plus à chaque écoute. Et un jour, totalement libéré. Il n'y a absolument aucun effort à faire. Maintenant, tu peux continuer à entrer en toi-même en douceur comme on rentre dans une maison. Progressivement et profondément, profondément. Descendre juste en écoutant ma voix, concentré sur cette dernière et sur ta respiration. Et ne garder de ce que je te dis que ce qui te parle, ce qui fait sens, ce qui te permet de te libérer, ce qui résonne en toi. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé. Nous allons prendre une respiration profonde en gonflant le ventre pour bien s'oxygéner avant de replonger encore un peu plus profond et se détendre, se relaxer. C'est maintenant, avec moi. C'est parfait. Tu peux reprendre une respiration calme et régulière, douce et régulière. Je vais compter jusqu'à 5, claquer les doigts, dire le mot bascule et tu descendras. Tu basculeras un peu plus en transe, comme un petit vertige, léger mais puissant, comme on glisse sur un toboggan pour descendre un peu plus profondément, profondément. 1, 2, 3, 4, 5, bascule, c'est parfait, tu es bien. Un peu plus profond en toi-même déjà.
La respiration est calme et régulière, douce et régulière. Tandis que tu imagines, visualises, penses à une lumière qui sort de la main de ton choix, c'est la lumière de la détente, de la relaxation, de la confiance aussi. Nous allons utiliser cette lumière pour un ancrage. La main que tu as choisie, tu la tournes maintenant, paume vers le haut. Tourne-la. Et cette lumière grandit dans ton imagination, tandis que grandissent en toi, que viennent des souvenirs de moments particulièrement sereins dans ta vie, agréables. Des moments réconfortants, doux, doux, où tu t'es senti parfaitement bien, parfaitement sécurisé, détendu, des souvenirs profonds et surtout le souvenir de la manière dont tu te sentais bien. Et c'est cette sensation, cette manière d'être, ce sentiment de bien-être et de sécurité, de relâchement complet qui grandit tandis que grandit la lumière dans ta main. Laisse descendre en toi, dans ta main, et se condenser ce sentiment incroyable de sécurité, de relaxation, de bien-être, de confiance. Ce relâchement incroyable que tu as pu connaître, cette lumière dans ta main, cette lumière du relâchement, du bien-être. La lumière grandit et les souvenirs reviennent, souvenirs de la manière dont tu te sentais bien. Relâché, en confiance. Le bien-être et la lumière dans la main grandit, se de conserve tous ces sentiments positifs qui montent en intensité et ton corps qui descend en relaxation encore plus profond, qui descend profondément les tensions qui partent et s'enfoncent dans le sol profondément et ton corps vidé de toute tension. La lumière dans ta main est désormais puissante et tu peux maintenant la poser doucement sur ton ventre pour transférer dans ton ventre et l'intérieur de ton corps ce relâchement, cette relaxation, cette confiance, ce sentiment de sécurité comme une encre. Fais-le maintenant. Pose cette main et cette lumière sur ton ventre. Et en trois respirations, nous allons transférer dans ton ventre cette relaxation afin de te permettre de te soulager maintenant. 1, 2, le transfert se fait. 2, tu sens le bien-être et le relâchement augmenter. Tu sens comme tout se dénoue. Tu sens maintenant clairement comme le chemin s'est ouvert et s'ouvre un peu plus et comme tout se détend, comme tout se fluidifie, les rouages deviennent plus fluides et tu te libères, libères. Chaque seconde un peu plus, la main toujours sur le ventre, tu te
te libère de la constipation qui déjà appartient un peu au passé. Et le soulagement qui grandit en toi. Je t'invite à faire un petit mouvement de la tête vers la gauche pour symboliser le passage de ce problème dans le passé. Penche un peu la tête vers la gauche et ce problème se transfère dans le passé pour libérer ton présent maintenant. Libérer ton présent. Voilà, tu peux remettre ta tête normalement. Cela appartient désormais au passé. Toi, tu es en phase de libération, un peu plus. Le soulagement qui grandit et gagne l'intérieur de ton ventre, de tes intestins, profondément. La respiration douce qui accompagne calmement cette libération, le transfert qui se fait et se termine maintenant. De la main au ventre, c'est parfait. Tu peux reposer la main à côté maintenant. Le travail se poursuit tout seul à l'intérieur. Et tous les nœuds se défont et tout devient plus fluide, plus fluide, plus fluide. Je te félicite, tu t'es offert un merveilleux cadeau libérateur sur le court et le long terme. La main maintenant est reposée normalement, comme auparavant. Le transfert est terminé, l'ancrage est effectué. À présent, je vais compter de 5 à 1 et tu vas très doucement sortir de cette transe. Sortir doucement de cette transe. Doucement, tranquillement. Reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Quand tu seras entièrement réveillé, tu te sentiras reposé, revigoré, énergique, en forme comme après une courte sieste, et tu te souviendras avoir passé un moment particulièrement agréable et libérateur, incroyablement libérateur. Un moment que tu auras beaucoup de plaisir à réitérer si besoin, pour te libérer de nouveau ou alors faire une petite piqûre de rappel. Je vais compter de 5 à 1 maintenant. 5. Tu reprends doucement conscience de ton corps, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur ta peau. Conscience des odeurs subtiles autour de toi. Conscience des petits bruits alentour. Tu te sens bien. Une forme de réveil s'amorce très tranquillement dans le bien-être. Reposer. 4. Tu perçois comme de la lumière au travers de tes paupières qui commencent à bouger un peu. C'est comme tes doigts que tu bouges doucement. Relaxé, relaxé. 3. Ta conscience refait surface, un peu comme au réveil le matin. Tu commences à avoir envie d'ouvrir les yeux. Tu te sens ressourcé, en paix avec toi-même. Tu sens que tu t'es offert un cadeau, une vraie chance de changer et de te libérer de la constipation, tout simplement. Reprendre la main sur cette partie-là de ta vie, te libérer pour toujours. Pour toujours. Un peu plus chaque jour, grâce à cette séance et surtout grâce à toi-même, à ton implication. 2. Tu peux ouvrir les yeux. Tranquillement, ouvre les yeux. Tu es remonté à la surface, entièrement maître de toi-même, pleinement consciente, conscient. Profite encore quelques instants de ce bien-être
Et lorsque je dirai le chiffre 1 et que je claquerai les doigts, tu te réveilleras et tu reprendras entièrement conscience. Tu pourras alors tranquillement reprendre le cours de ta journée ou de ta soirée. Consciente, conscient de t'être offert une vraie chance, un moment profondément bénéfique pour toi et pour ta santé, pour ton bien-être et pour ton confort. Bravo à toi. 1. Tu peux reprendre ta journée ou ta soirée. Pense à rétribuer cette vidéo avec un pouce, un commentaire, à témoigner à court et à long terme, à partager bien sûr et même à me tipper sur Tipeee, histoire de rétribuer un résultat concret. Si tu as des questions, pose-les, je te répondrai volontiers et toute la communauté pourra ainsi profiter de ton expérience. Pense également bien sûr à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouveautés. Pour me contacter, c'est facile, c'est dans la description, c'est unevoixquiparle.com. Je te remercie pour cette écoute, bravo pour être arrivé jusqu'à la fin, pour t'être accordé ce moment à toi et rien qu'à toi. C'est tout à ton honneur. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte.